Donc ici, E4. Voilà, E4, cavalier D4. Cavalier D4. Dame B6. Dame B6. Attaque le cavalier. Cavalier C2. Et D5, ça y est. Ouais. Voilà. Donc fou G2. Voilà, c'est pas si évident parce que les noirs ont le centre, mais est-ce qu'ils l'ont pas pris trop vite quand même? Parce ouais. que on voit que les blancs exercent une sacrée pression. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, comme c'est une Sicilienne en premier, quelque part, les blancs se mettent dans la peau des noirs et essaient de forcer les noirs à créer des faiblesses, voilà. À avancer leur centre. C'est pas étonnant que leur avantage de développement leur permette de prendre l'initiative au centre. Donc ici, pourquoi pas D prend C4? Bah, disons que ça aurait fini par craquer hein, après un coup comme petit roque et D3, par exemple. Sûr, là, tout sûr. Se serait écroulé et le roi E8 serait resté au centre. Faire petit roque, peut-être pion prendre D5 d'abord et après D3, voilà. Et il y a tout qui saute. Exactement. Ouais. Donc D prend C4, on finit par donner le pion tout de suite, F6, et on prend en E4. Voilà, voilà avec un avantage pour les blancs quand même. Avec un avantage puisqu'il y a deux pions centraux, ouais. Hein, ici. Donc classique de la Sicilienne d'ailleurs, hein, ouais. C'est un peu la même idée. Voilà. Et puis des pions doublés là, mais bon,